ici Rachel, alias, pour un nouvel épisode de Total War Arena. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour une petite bataille, une petite game avec César, Jules, César. Voir un peu du gameplay du côté de César. Donc on va voir ça. J'ai encore un peu d'XP des autres batailles. César, je suis encore assez low level, donc j'ai encore les unités de base de tir. Mais j'aimerais bien débloquer les Lewis. Qu'on pourrait faire peut-être au prochain, après cette bataille-ci. Je vais juste améliorer un truc de César. Et donc on va jouer avec lui. Lui, c'est plutôt support. Donc il joue avec des artilleries de siège et des unités de javelot, de lance. Aussi peut-être avec des unités de mêlée, hein, bien sûr, mais c'est support, quoi. C'est pas attaque ni défense. Donc, alors, Veni Vidi Vici, Veni Increase Speed, donc plus de speed quand on charge, et Vidi, Construct Deployable Faster and Improve Artillery. Donc, Deployment, Préparation de Construction, Target Speed. Ok, donc ça permet de donner un bonus aux artilleries. Mais on n'a pas d'artillerie, donc est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire, ça? Je pense que... Ah, mais ça compte aussi pour les Lewis, du coup, ouais. Ça améliore les unités de tir, je crois. Donc on va faire ça, et on va faire le bonus de speed. Donner un peu de speed aux unités, et je pense qu'on va pouvoir... du coup, ouais, on peut prendre des Vigiles, on peut même prendre des Italian Swordsmen. Qu'on peut... mais qu'on peut pas encore prendre, parce qu'il nous faut des trucs... Mais moi je veux des Lewis, des Lewis, donc c'est pour ça qu'on va se battre. Donc on va commencer une petite game, on va juste prendre vite fait des consommables. Flaming des javelots enflammés, ouais pourquoi pas, ça peut être pas mal. Eux ils peuvent prendre quoi? Des triple attaque javelines, dommage, Herculean distance. Ah donc des javelots qui vont plus loin. Et ici on va essayer un peu tout. Hein. Broadhead javelin, increase cutting damage, peut reduce armor penetration. Buckling Javelin et Damage Point Armor Even Better. Donc on va prendre celui-là. Ça c'est donc javelot pour couper, mais ça balance pas trop dans l'armure. Et celui-là par contre, le Bodkin, lui il défonce l'armure. Donc on va prendre un peu tout. Comme ça on teste. Et on y va. On play. Ouais. Alors Jules César, la game Jules César, c'est une petite épisode sur Jules César. Vous l'avez bien compris, vous le voyez très bien. Et donc maintenant, ah oui, et en plus je enregistre en 60 FPS, donc ça sera la première vidéo sur ma chaîne en 60 FPS. Et je pense que le Total War Arena, on va essayer de le faire en 60 FPS, tout simplement pour que vous puissiez encore mieux voir l'action. Parce que j'ai remarqué que c'est vrai que durant les batailles aussi en campagne, il y a un petit flou, on va pas très bien au fait, même en full écran, en full HD. C'est, voilà. Quand il n'y a pas 60 FPS, c'est un peu bizarre. Et j'espère que la connexion va bien marcher parce que je suis en train de télécharger des vieux jeux GameCube pour émuler. Donc, du coup, je bouffe un peu ma connexion, mais ça devrait aller normalement. Donc, du bon jeu, en veux-tu, en voilà. Et donc voilà, bah, je pense qu'on va, on va simplement faire une coupure là en attendant que la team soit mise en place. Et puis, on parlera aussi plus tard de certains d'entre vous qui veulent rejoindre des games pour jouer avec moi, qu'on fera en vidéo du coup. J'organiserai tout ça quand j'aurai déménagé, là je suis un peu occupé pour l'instant. Et dès que j'ai déménagé tout ça dans une dizaine de jours, peut-être même le week-end prochain, ça dépend si j'ai déjà internet, on va organiser ça, on va faire un truc pour que vous puissiez me rejoindre en partie, et ça sera donc enregistré. Et donc ceux qui sont pas timides, ben, on discutera et les autres ils écouteront, mais on essaiera de faire ça en TeamSpeak pour qu'on puisse avoir le plus d'organisation possible durant les batailles. Bon, bah je fais une petite coupure et on se retrouve tout de suite. Wow. Je crois que j'allais être le premier à être loaded, mais tout le monde était en même temps, presque. Il en manque juste deux. Je suis le seul support dans les deux armées respectives en plus. Donc il va falloir avoir de l'imagination et des responsabilités. Non mais ça va aller, je suis le seul support, donc je vais essayer de backer la première ligne peut-être. Essayer d'avoir un petit flanc libératoire. En sachant que je suis du coup... Est-ce qu'ils ont Arminius? Ils ont même pas Arminius en face. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de cave qui fera chier. Donc on va essayer de se placer... comment c'est la quelle map? C'est Germania. Ouais, on va voir comment on va faire ça avec nos unités de javelot. Je teste, hein, je teste. Hein. Et puis bien sûr, merci pour vos commentaires. Il y en a beaucoup qui m'ont proposé des conseils, qui m'ont dit des choses. Merci beaucoup. Et naturellement, si vous voulez participer à une game avec moi, on va organiser ça. Et alors, je suis support des
impénétrable. Alors, le centre, ah c'est cette map là, le centre, les couilles, le support back, support défensif où je supporte là, hop, je vais me foutre ici, je vais me mettre ici, lui aussi il a que des unités de tir, lui ici il y aura un dé, il va essayer, ils vont essayer de défendre le centre. Ouais, je vais peut-être supporter la défense du centre ici. Ce serait pas mal. Et que je puisse après, quand ça tourne un peu mal au vinaigre, que je puisse retourner en arrière et aller retourner dans le camp. Je vais essayer de supporter le centre ici. Me mettre dans les bois peut-être. Avancer ici dans les bois. Alors lui me dit qu'il faut aller dans le centre, mais je vais essayer de me foutre dans ce promontoire là. Parce qu'on ne me donne pas d'ordre, je suis quand même joué chez Dus. Donc je vous en. Merde les mecs, me donnez pas d'ordre s'il vous plaît. Le mec c'est. On va monter là-haut. Ça m'a l'air pas mal ici en haut. Parce qu'on pourrait se mettre dans les bois, mais on serait juste trop à découvert. Ici en haut, on a un promontoire de protection. Il y a même des javelots qui pourraient peut-être à la limite. Ah voilà le truc vidi là. Se mettre ici. Je vais en foutre ici, vous savez quoi. Attends, on voit pas bien les positions quand on se met là. Voilà, vous voyez, je vais couper en deux. Je vais mettre des Lewis là-haut, je vais en foutre ici, à droite. Ah et merde, mais si lui met déjà ses archers là. C'est quoi. Je vais mettre mon général là-haut. Je vais mettre deux unités ici. Voilà, comme ça on aura des javelots ici en haut. J'aurais peut-être dû mettre mon général dans le bois, mais bon. Est-ce que ça joue vraiment un rôle après Le problème c'est que ici, on risque. Que si on est dans les bois avec les javelots. Donc j'ai l'impression qu'il veut qu'on attende ici. Putain, mais on voit rien dans les forêts quoi. On a fait le premier blood. Fabuleux. Bien. Je sais pas si les javelots ont une portée incroyable s'ils se mettent comme ça, mais on pourrait aussi peut-être éviter. C'est quoi, je crois que je vais plutôt me mettre comme ça, parce que s'ils attaquent comme ça, vous voyez, j'aurai des tirs plus précis. Donc mes mecs sont là, hein. On les voit pas très bien, je sais, même en 60 FPS. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais, au fait, il est dans le mauvais sens. Parce que les javelots là-haut, c'est bien mignon, mais si on a. Hop. Moi je joue mon rôle de support, hein. Je pars pas en attaque donc les mecs. Ok, donc là les javelots. Tripolaté. Ah merde, j'ai pas les trucs armure. Voilà, béni. Ouais, par contre, les mecs, vous êtes aveugles. Putain, les gars quoi. Ils sont en train de me tracer là les gars. Putain, ils ont rien fait les mecs, super. Allez, ici je supporte. Hop là. Allez, bougez-vous. Vous avez vu qu'il m'a fait charger, j'avais oublié de lancer une attaque. Parce que moi dans ma tête, je suis toujours en mode tir automatique. Au fait, il faut pas. Allez, hop, on va les tracer. Bon, eux, je les laisse là-haut. Je vais les faire chier eux. Voilà, hop, tac, on est à tirer là. Fils, dépêchez-vous. Il faut backer ces mecs là. Les feux, les trucs enflammés, on les met pas. Si je vais mettre les trucs, perce armure. Non, attendez. Ils sont trop loin. Ici, y a personne. Arrêtez de tirer sur nos hommes. On va foutre ici. On va essayer de choper les archers là. Tac, comme ça. Et on les fait tirer sur personne. Ils restent en protection. Alors attendez. Hop. Tac, tac, tac. Ok, là, donc là je tire sur ces mecs là d'ici en haut parce que j'ai vu qu'ils sont, ils ont du mal. Hein. Voilà, par contre ici je fais des gros dégâts. Des gros dégâts.
Et ça, cassez-vous. Un orage de mon PGMage. Je suis un professionnel. J'ai gagné la Coupe du Monde de stratégie virtuelle. Tu peux même pas test. J'ai battu un Coréen, les yeux bandés. Bon, alors ici, c'est bien. Par contre, on met 3 millions d'années à tuer ces mecs. Alors, je sais que je fais du friendly fire, mais j'en ai rien à péter parce que si eux, ils mettent 3 heures à tuer ces gars. Ok, c'est bon. Arrête de tirer. D'accord, ok, il capture l'ennemi base. Moi, je propose qu'on fasse un avancement. Ah, mais il faut que je fasse du support, moi, putain. Allez, je veux... Voilà, je voulais les tuer. Faut qu'on avance. Parce que si on capture la base, il faut aller supporter les mecs. Normalement, on est bien en défense là-bas. Donc on avance. Avec Gorlos. Oh putain. Oh les faillots. Vas-y, bouge-toi. Merde, ils sont où mes mecs? Je sais que je dois faire du support, mais j'attends qu'il se ramène. Tiens, on va détacher une unité qui va aller avec Grolodos, là. Et là, on va essayer de choper les unités de tir qui étaient là, qu'on avait vues. Tiens, vas-y, va avec Grololo. The fuck, ils sont où ces connards? Ah, ils sont là. Allez, raclure. Vini. Vidi. Allez, raclure. Ah, ils sont cassos. Faut absolument que je les pute parce qu'ils vont aller supporter. Ils vont faire du support sur les mecs qui attaquent notre base. Quoi. Donc, c'est un peu la merde. Quoi. Là-bas, je gère même pas. Quoi. C'est chaud de séparer ces armées dans ce jeu. Faut que je fasse du support ici parce qu'ils ont beaucoup d'unités de tir. On va voir ce que fait Coco Lastico. Ok, donc là. Ok. Je vais me foutre ici en haut. Hop. Putain, mais ils sont déjà là-bas. Allez. Ah oui, il faut aller. Ah oui, oui, oui. Ça c'est du bien béni, ça. Non. Vite. Bougez-vous. Bougez-vous, c'est boulot. Voilà, ça c'est bien, c'est facile. Alors, voilà, là on les tient là. Vite. Oh putain, ils vont capturer notre base. Mais non, bougez-vous, on s'en fout, si vous les voyez pas, vous pouvez quand même avancer. C'est du babysitting, ça devient débile. Ah merde. Le temps qu'on y arrive et qu'il se planque à chaque fois. Ah putain, ils vont capturer notre base, tu te fous de moi? On est chez les débiles. Et nous aussi on capture leur base, non? On va voir ça. Il y a de l'action. Bon les mecs, vous avancez ou vous êtes en vacances au Club Med? J'aimerais que vous fassiez du support là. Voilà. Dégommez-moi ces mecs là-bas. On va passer par là, on va passer les deux unités par là. Veni, bougez-vous le ciboulot. Pendant ce temps-là, je gère l'unité de détachement. Voilà, hop. Tac, tac. On leur fout la totale. Hein. Allez. Ah putain, ils sont cons en fait. Ils auraient pu mettre leurs archers ici et me guaquer le cul. Ah mais putain, mais c'est n'importe quoi. Ah. C'est dingue quand même. On avait quand même... on était les premiers dans leur base quoi. C'est quoi ce bordel? Enfin, c'est bien, on a bien fait du support, je trouve. Moi, je trouve que je me suis bien démerdé. Au niveau du support... Après, c'est sûr que... Putain, ils mettent du temps à se bouger, ces unités-là. Même si tu leur fous le truc véni, là. Ils mettent du temps, les gars. Bon, alors... C'est bon, c'est fini, là. Non, bah, attendez, on va voir un peu avec qui on pourrait jouer. Bah, on pourrait encore jouer avec César, on a encore un peu le temps. Le truc, c'est que... j'aimerais attendre que...
Ça va, on s'est quand même bien démerdé. Le truc, c'est que voilà, ça marche bien les unités de javelot, mais il faut naturellement qu'il y ait des gars avec moi à côté, sinon c'est difficile. Mais on a quand même liquidé pas mal d'archers, ça fait plaisir. Mais bon, j'ai pas compris pourquoi on a perdu, parce qu'on était quand même le premier dans leur base à eux. Il leur restait plus que l'unité d'archers dans leur base, je sais pas pourquoi on les a pas défoncés. Il me semblait qu'il y avait une cave d'Arminus là qui bougeait pas trop. Putain, et les mecs qui ont une connexion de merde, du coup il faut attendre que tout le monde ait fini la bataille. Voilà. Alors. Quoi, je suis avant-dernier? Mais putain, j'ai fait du support à mort, quoi. C'est quoi ça? C'est... FF. Ça veut dire quoi, FF? Putain, mais c'est dingue. En fait, c'est il faut attaquer, au fait, quand t'es en support. Moi, je crois que t'es juste supporté, donc support les unités défensives. C'est ça, hallucinant, ça. Parce que du coup, j'aurais dû aller vers la base tout de suite, quoi. Ou protéger, tout simplement. Intéressant. Par contre, ouais, putain, avant-dernier, c'est pas possible. J'ai fait des masses de dommages sur tous ces mecs, là. Enfin, bref. Combien j'ai gagné d'XP? Quasiment rien. Ah, ben, ça m'amuse déjà de jouer avec César, putain. Combien on a ici? On a 100, on va prendre une unité de Lewis. On va prendre les Lewis. Les Lewisos, voir un peu comment ça bouge. Les Lewis, pardon. Quoi? Mais j'ai assez là pour les équiper. J'ai de l'argent. Pourquoi je peux pas? Ah ouais, parce qu'il faut remove une unité. Ouais, je suis con. Voilà. Donc je prends des Lewis. J'en prends partout, hein, parce que j'en ai rien à péter. Voilà. Pour qu'on ait des unités dignes de ce nom. Là, j'ai 0 XP là, c'est pour eux là. Alors. Parfait. Alors là, on a des Lewis qui sont un peu plus forts déjà. Donc, moi, pour moi, c'est du bon supportage ça. Donc, apparemment, non. Alors, ce qu'il faudrait, c'est spécialiser nos armées dans un truc. C'est-à-dire. Les foutre tous, par exemple, en bootkin, c'est-à-dire en. Viciously pointed pour les armures. C'est-à-dire que pénétration d'armure pour tout le monde. Voilà, comme sinon on s'en mêle un peu trop les pinceaux entre les trucs enflammés et tout ça. On peut changer la couleur, mais on s'en bat le steak. Il me semble que c'est un peu bugué en ce moment, ce truc. Donc voilà. Et je vous propose qu'on fasse une partie de revanche encore. Qu'on voit comment ça se passe. Voilà. In war, like all things, let Rome lead. Ah bah oui, Rome l'idée. Mais le truc c'est que voilà, le support, il faut que je fasse gaffe aussi pas tirer sur mes collègues. Mais normalement je n'ai pas l'impression d'avoir fait parce que j'ai vu un petit message d'un gars là, qu'apparemment quelqu'un tirait sur quelqu'un attaquait ses unités, faisait du friendly fire, mais je pense pas que ce soit moi. Parce que c'était déjà fini à ce moment-là la mêlée, donc je sais pas. Donc on fait un support défensif ou un support offensif. Personnellement, je préfère l'offensive, c'est plus intéressant pour vous. Donc là, on va faire une petite coupure. Et on se retrouve à tout de suite. Bon, mais après, c'est vrai que bon, je veux pas non plus faire des gros fails. Hein. Mais c'est quoi cette map Salernum, je connais pas. J'ai l'impression que César est pas vraiment apprécié comme général, parce que je vois personne qui le prend, au fait. Alors, bon, d'accord, mais c'est César, quand même, je sais pas, non? Bah bon, on va voir ça, hein. Naturellement, je fail beaucoup. Si vous avez des conseils à me dire, vous me le dites, hein. C'est la première fois que je joue support. Franchement, n'hésitez pas. C'est pour rappeler ceux qui regardent ces vidéos pour la première fois, je suis un débutant. À Total War Arena, bien sûr. Enfin, débutant, quoi. Je me démerde. Mais c'est vrai que César... Il y a beaucoup de micros à faire avec César, et c'est vrai que... c'est peut-être pour ça que personne ne le prend, parce que personne n'a envie de se faire chier avec la micro-gestion. Moi, je trouve ça va, mais après c'est... Je devrais peut-être pas séparer les trois unités, je devrais les laisser ensemble. Parce que moi j'aime bien les contournements quand je joue à Total War et tout, faire des trucs. Mais du coup j'ai tendance à séparer mes unités très rapidement. Donc là on va essayer de les laisser ensemble, on va voir, on va backer du défensif peut-être. Alors là j'ai l'impression que c'est un promontoire de choix, je vais me mettre 11. Comme ça, je peux supporter tous les mecs qui sont là en bas et qui vont peut-être faire le tour du coup par là, et je peux en même temps protéger les flancs.
du truc. Donc on va faire en un premier temps du support défensif. Et si on voit que ça se passe bien, on peut avancer un peu vers ici, vous voyez, vers cette hauteur-là, protéger ce côté-là. Et si on voit qu'il y a des mecs qui se ramènent vers notre base, ben on recule. On fait défensive-offensive. Hein. Moi, je vois que ça. C'est vrai que c'est peut-être pas très clair, support. Ou c'est peut-être que tu prends ça quand t'as débloqué les engins de siège, pardon. Mais bon, pour pouvoir les débloquer, il faut jouer justement avec César. Donc, je comprends pas. Je comprends pas. Que je demande à Sigiron, c'est quoi cette histoire de support là? Salerne. Vous voyez ici, c'est pas mal. Je peux me positionner ici pour le protéger. Pour faire un support de protection dans un premier temps. Et je vais faire avancer cette unité. Je vais pas séparer les mecs, vous inquiétez pas. Je vais juste placer une défense. Qu'est-ce qui branle ces mecs? Mais non, je résiste de vous mettre en haut ici. Oh, quoique, mettez-vous là. Et eux, je les mets là-haut. En fait, je me mets là, eux, ils défendent. Ou ils font quoi? Ils se grattent le cul. En fait, ça serait mieux de mettre des archers ici en haut, mais bon. Je vais placer une unité ici en haut et les deux autres, je vais les mettre ici dans les champs. Je vais essayer de voir s'il y a pas des unités ennemies qui arrivent. Et on va la jouer défensive pour commencer. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de bonhommes. Il est où notre camp? Il est ici? Ah, il est ici. Il y a pas tellement de bonhommes ici dans le camp. Par contre, ces archers, lui, il pourrait les mettre là-haut, quoi. Ah, voilà, il y a des archers qui se ramènent. Ce serait bien de supporter Never Trust Me. Ah ben non, Never Trust Me, non. Ne me fais jamais confiance, ça veut dire. Donc non, je vais pas te suivre, toi, le mec. Je vais pas le suivre. Il faut surtout pas suivre ce mec. Parce que si déjà il met son pseudo comme ça, c'est que ça veut dire quelque chose. Oula, ça c'est un beau promontoire. Ce serait bien de pouvoir protéger cette route ici et puis le truc là-haut. Ah, il y a déjà de la bataille qui va commencer là-haut. Parce que eux, je sens qu'ils vont tous débarquer par là. On a fait le premier sang, mais ça ne veut rien dire. Tout à l'heure aussi, on avait fait le premier sang. Écoutez, si je supporte ça et je laisse ces mecs là, putain, mais je vais de nouveau séparer mes unités, quoi. Le problème, c'est qu'ils ont des archers. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Funksol, brother! Bouge tes hommes! T'es sous acide ou quoi? Vas-y, qu'est-ce qu'il fait, lui? Bah, bouge tes hommes, putain! Chienne! Ok, donc ils vont venir comme ça, c'est très bien. Non, là. On va péter ces mecs là. Et ici, je vais rejoindre mes troupes. Putain, ils sont sous acide, les mecs, quoi. Vas-y, démerde-toi là. Allez, hop, bouge. Rage Ludius. Ils sont tous là, au fait, les mecs. Bon, là, c'est bon, c'est gérable. Vas-y, dépêche-toi. Combat. Là, je reste comme ça, mais je sais pas si c'est très nécessaire. Le problème, c'est que... Ok, ils sont tous là. Ok, non, attendez, je vais peut-être avancer. Je laisse une unité de javelot sur le promontoire. Ici, ça peut toujours servir en cas de... d'unité de réserve. Et je vais avec deux unités ici. Avec mon général et tout. On va essayer de se foutre là-dedans. Pour essayer de leur faire une petite... une sorte d'embuscade. Eux, je vais les laisser là, ils sont bien là. Putain, mais quel con aussi de lancer sa CAF contre des archers, quoi. Il a la cervelle en compote, ce mec là. On va se mettre ici, et ici on va se mettre là. Parce que le problème, c'est que voilà, ils ont des putains de jeux. Je pourrais supporter là, mais ils sont trop loin, ils partent trop loin les caves. Au lieu de faire des... Il aurait pu faire en sorte d'attirer ces unités de piqué. Là-bas, c'est gère. Hein, ouais, elle a des tirs dans le dos, là, c'est bon. Là. Il faut vraiment être débile pour perdre cette bataille. Je vais attendre qu'ils se ramènent. Là, j'ai une bonne vision. En fait, ils protègent le truc, quoi.
Les javelots ici en haut, c'est quand même pas une si mauvaise idée. On va les laisser là, on va pas bouger. On va essayer de protéger ce flanc-ci en même temps, cette route-ci. Et mes archers ici en haut, mes putains de javelots ici en haut, ils vont bouger aussi. Et je vais les mettre là. Ici, ça me paraît bien, vous voyez. Voilà, ici c'est nickel, comme ça, si ils débarquent par là, on protège tout ça. Et là, je me mets légèrement comme ceci. Voilà, comme ça on protège ces deux routes là. Le problème c'est que s'il y a des archers qui se démerdent à passer par là, voilà, eux ils se dépêchent. Je me mets en pique ici. Putain, pas très défendu notre truc. Hein. Bon, ici ça gère, j'espère qu'ils vont attaquer. Mais là il faut la jouer défense, hein, j'ai l'impression, parce que ça débarque. Hein. Voilà, alors ici, shield machin et tirez là. Moi je vais faire du support là, c'est bon. Ne vous inquiétez pas, je suis une supporterie, moi. Voilà, j'arrive. Je fais de la... Voilà, c'est bien, vous jouez. Bon jeu. Ici. Je vais essayer de liquider... Oh putain, ils ont de la cave. Perce armure. Ah là 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 là, on a dit que la cave. Oui bien, ça c'est bon. C'est du bon jeu, il me tire dessus. Les archers sont des petits joueurs. Ils sont des petits joueurs, ils m'attaquent. Enfin ils m'attaquent, c'est le but, mais je veux dire. Perce armure sur ses cocos. Combat. Perce armure sur ses PD. Combat. Putain mais ces archers sont déjà presque morts. Oh putain, les rats. Eux, je les bouge pas, hein. Ils sont très très bien là. Peut-être qu'ils peuvent tirer de là, non? Ils peuvent pas tirer de là, non? Vas-y, promotoire ici. Ouais, mais ils ont de la cave, qu'est-ce que tu veux faire là? Mec, ils avancent en boucle. Je peux pas tirer de là avec eux? Je les garde en réserve, on sait jamais. Vas-y, on va reculer. On va pas se battre contre ces cons. Allez hop. Je les laisse là, je bouge pas. C'est con, je sais, mais ils pourraient nous servir plus tard. Ils sont où les mecs qui avaient... Mais putain, les archers, mets-les ici, connard. T'es con. Putain, la cervelle, elle est où là? Vas-y, on va rejoindre les archers, comme ça on va avoir du support. Voilà, je vais aller essayer de choper ces mecs. Je les ai bien eu là. Voilà, on va se foutre ici. Puis comme ça, on pourra se repositionner. Et right there. Allez, chienne. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi il met ces archers là? Putain, ça y est, il fait la stratégie de l'IA des campagnes Total War. C'est-à-dire, je fuis, j'ai peur. Bon, moi je me suis retranché ici en haut, le problème c'est que... Victory! Wow! Voilà, vous voyez, en fait, je voulais protéger ce truc ici. Voilà. Je me suis retranché. Bon, je sais pas si j'ai fait beaucoup de points. En tout cas, c'est victoire! Putain, vous avez vu ça? Nom d'un chien, je devrais faire des... Je devais refaire des trucs, des putains de tournois, moi, je suis un fou. Super. Non mais ça, de toute façon, c'est bien, parce que on a vraiment vu qu'ils ont tous attaqué, ils ont pas beaucoup défendu leur base. Donc c'est une très bonne chose qu'on ait gagné. Bon, moi malheureusement, j'ai pas fait non plus fait des milliards de kills. Surtout là derrière, que j'ai réussi quand même à choper quelques archers. Mais je pensais qu'en restant sur cette route, là où je me suis mis, là, avec les troisièmes unités, que les mecs allaient passer par là et se prendre des trucs, mais non. J'ai quitté quand même pas mal de caves. Donc on est quand même déjà à presque 30 minutes, putain. Donc on va voir vite fait les points qu'on a gagnés. Et on s'arrêtera là pour cet épisode avec Jules César. Qui, je pense qu'en début de game, il est un peu à la ramasse. Mais dès qu'on débloque les engins de siège, je pense que Jules César peut être très très bien à jouer en support, quoi. Donc vu qu'on a une victoire, ben, on gagne des trucs en bonus. Ça c'est bien. Oh, je sais pas, je suis plutôt dans la moyenne, on va dire. Avec Funky Soul Brother. On a quand même fait des bons points.
Mais c'est vrai que support, il n'y a personne qui le joue. Il y a beaucoup de micro-gestion, hein, comme vous l'avez vu. Mais c'est cool. Donc on va dépenser les points au prochain épisode et on jouera avec je ne sais pas qui, on verra bien. Peut-être avec Militad ou un truc comme ça. Militiad, je ne sais plus comment il s'appelle ce mec. Ou on rejouera peut-être un peu avec du Spartacus. Léonidas, pardon. Léonidas, et donc on va voir. Bah, super victoire, enfin une victoire. C'est une moitié fail, moitié victoire, ça fait plaisir. En tout cas les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, ceux qui veulent participer avec moi à des games, on verra ça dans les semaines à venir. Je vous noterai vos noms. Mettez déjà vos noms dans les commentaires et sur la page Facebook. Si vous voulez participer, comme ça je vous mets sur une liste. Et il y aura donc, toutes les semaines, on fera des parties avec chacun d'entre vous. Ce sera génial. N'oubliez pas de mettre des commentaires, likez la vidéo, c'est très important. Et abonnez-vous si vous le souhaitez. Followez, alors merci, on est à 50 maintenant sur Facebook. Mais sur Twitch, on est presque à 100. Donc followez la page Twitch. Il manque deux followers et on sera à 100. Et je vous inquiétez pas, il y aura bientôt des lives en veux-tu, en voilà. Donc c'est très important de follower Twitch. Moi, je vous dis à la prochaine. N'oublie pas les vidéos de Total War Studio. C'était Rich Olidius. Oh, yeah.